voir ça ensemble. J'ai tué mon premier pour le voyage de novembre à Sainte-Marie. C'est pas un trophée. Mais pour le premier, là, ça va faire le job parce que à date, c'est tranquille, en tabarnouche. Le troisième jour de chasse, c'est le premier chevreuil que j'ai réussi à avoir de télescope. Fait que, on va aller voir ça ensemble. C'est un petit spike. Ça ressemble à une tête. La voiture là-bas. Un petit à peu près 100 vierges. En pleine tête. J'ai laissé un petit peu de temps. On va aller chercher ça, il y a du gros sang à la terre. C'est spécial, j'étais assis juste là. On voit le tripod devant le chemin. On a trouvé beaucoup de traces comme s'il y avait eu des bois qui s'étaient battus sur le bord du chemin. Fait que j'ai décidé d'aller porter le pick-up plus loin. Puis j'étais revenu me positionner ici, finir l'après-midi, il y avait comme deux passes. Fait que j'ai attendu. Il était 3h30. Je voulais avoir de la clarté jusqu'au camp pour descendre en pick-up. Chasser tout le long. Fait que j'ai dit, je vais me lever, mais j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de traces là-bas. Fait que je suis allé voir le bois avant. Quand je me suis viré de bord pour revenir, il y avait à peu près 600 pieds. Puis quand je me suis viré de bord pour revenir, il était à côté du tripod que j'avais laissé où c'est que j'étais assis. Il était là, puis il m'a regardé. Fait que je l'ai shoté là. Puis là, c'est ça, il vient de faire un petit bout, là, je viens d'entendre des branches craquer, là, d'après moi, c'est terminé. C'est un petit peu de temps, on va aller chercher le pied. Salut, gang!
Et là, les amis, ça y est en masse. Encore une fois, c'est pas un trophée. Mais je pense que cette année, c'est ça qui est ça. C'est un autre spike. Un beau tir. Et tu tirais ça, je vais le mesurer tantôt, mais d'après moi, tout près de 200 verges debout. Un genre de spike 3 pointes là. Il est pas beau, beau, mais c'est pas grave. Ça va faire de la bonne viande. Youhou! 2023 est terminé. Troisième journée.
Je suis de retour de mon voyage de CEPAC Anticosti du 22 au 27 novembre à Sainte-Marie. On a passé une semaine un peu plus difficile qu'à l'habitude. Habituellement, là, on choisit plus que ça pas mal. Là, je vous dirais, on n'a pas choisi. On a pogné une semaine, la météo n'était pas pour nous du tout. On avait eu un petit peu de neige au sol avant, la neige a fondu, ça a fait une croûte. On n'était pas capable de marcher comme on voulait dans le bois. Ensuite de ça, il y avait pleine lune, fait que les chevreuils rouillaient beaucoup de nuit, pas beaucoup de jours. On avait des vents, tous les jours ils ventaient et c'était difficile. On a quand même fait une belle chasse, on a ramené 6 sur 8. J'ai réussi à tuer 2 spikes, mais je vous avouerai que j'avais des attentes beaucoup plus hautes que ça pour ce voyage-là, mais c'est pas grave. On n'a pas de pouvoir sans météo. Mais beau dire que t'es sur l'île d'Anticosti, c'est jamais facile. Ça peut être facile comme ça peut être difficile, puis là ça a été difficile. Fait que j'ai vu au total, en 4 jours de chasse, 12 chevreuils. Ce qui est pas beaucoup, habituellement je vois ça par jour en masse, mais quand même. Fait que le première journée, j'ai vu 3 chevreuils, tout au fly, à course tout le temps. J'ai marché plus de 15 km journée-là dans des places où je connaissais très bien. Je pensais vraiment faire ma chasse dans ces trous-là. Mais finalement, ces parties de territoire-là, là, c'était tout... Il y avait des traces partout, mais pas de contact avec les chevreuils, pas être capable de tirer. Le deuxième jour, c'était pareil. J'ai couvert du territoire, j'ai été voir des places en pick-up, j'ai débarqué, j'ai marché des places, qu'habituellement c'est bon aussi. Mes collègues avaient fait des belles chasses là les autres années. On voyait pas grand-chose, j'ai vu 3 chevreuils en cette journée-là. Puis ça a été la troisième journée, j'ai été dans une petite swamp là. Un de mes chums avait tué les 2 journées d'avant, avait tué dans cette swamp-là 2 beaux bucks. Fait que j'ai décidé d'aller m'assire là dans une watch fermée. Puis ça a été à 10h15, là. 10h15, il a sorti un spike là à côté de moi dans la watch. Là. Puis là, j'ai dit si je veux ramener quelque chose, je pense qu'on va commencer par lui. Fait que j'ai tiré ce spike-là. Il était à peu près à 100 verges là, dans le swamp. Fait que j'ai tiré ça. Ensuite de ça, j'ai descendu ça au camp, j'ai plombé ça tout de suite, j'ai mis ça dans la penderie. Puis j'ai reparti dans le haut de la zone. J'ai laissé ma place à un de mes amis. J'étais allé dans le haut de la zone, puis j'ai vu une place, c'est qu'il y avait plein de traces de chevreuils qui s'avaient battu dans la nuit, dans le chemin. Puis il y avait comme 2 passes là migratoires là dans ce coin-là, fait que j'ai décidé de m'assire là. J'ai attendu environ 1 heure, j'ai grunté un peu, j'ai rattendu une demi-heure, se passait rien. Fait que là, je me suis levé pour aller vous filmer justement les traces puis tout ça, vous montrer ça un peu comment ça s'avait battu. Puis comme j'ai fermé la caméra, je me suis levé les yeux, il y avait un chevreuil dans le chemin où c'est que j'étais positionné, où c'est que j'avais grunté. Fait que j'ai décidé de le prendre lui ici parce que c'est les 2 premiers chevreuils que je mettais dans le télescope, comme on peut dire là. C'était tous des chevreuils au fly tout le temps. Fait que j'ai décidé de terminer ma chasse là, la troisième journée là, au soir là, j'avais terminé avec 2 spikes. Fait que la quatrième journée, on avait signé la feuille de groupe, fait que je pouvais chasser sur les permis de mes chums avec qui j'étais. Fait qu'il restait 2 permis de libre, fait que je suis retourné le matin, mais pareil, je n'ai vu au fly seulement. Là, c'était vraiment pas une belle semaine pour chasser. Fait que dans l'après-midi, là, j'ai décidé de préparer mes chevreuils, mettre ça en boîte, là, puis préparer ceux-là du groupe pour l'avion le lendemain matin. Parce que moi, les forfaits que je prends, c'est des forfaits toujours avec CEPAC Anticosti, avec européen sans guide. Fait que faut tuer des brouillards un petit peu. Ça m'est demandé souvent. Il y a beaucoup de monde qui me demande comment ça fonctionne sur l'île. Ça coûte cher. C'est toutes des infos que vous pouvez trouver sur CEPAC Anticosti. Sinon, vous pouvez appeler directement CEPAC Anticosti au comptoir. Ils vont vous répondre sur toutes les disponibilités de forfaits qui restent. Je vous dirais, si c'est vos premières fois que vous y allez, peut-être prendre un forfait soit européen guidé ou un plan américain si vous voulez payer un vrai trip là, avec les gars là, qui sont habitués du territoire. Parce que européen, pas de guide, là, t'es vraiment, tu sais, sans dire t'es laissé à toi-même, parce que t'as quand même du support si tu en as besoin, là. Mais, tu sais, faut que tu t'occupes de chasser par toi-même, là. Comme tu fais sur ton propre territoire chez vous, là, sur le continent. Mais, t'as un pick-up fourni, un VTT fourni, un chalet fourni selon les forfaits que tu vas prendre en plan européen. Mais, tu sais, c'est pas facile, là. Faut que tu t'occupes de plumer tes bêtes, tu mets tes bêtes en boîte, tu t'en vas pour l'aéroport à telle heure, l'épicerie, faut que tu t'occupes de ça. Fait que si jamais, là, c'est votre premier forfait que vous voulez vous faire sur l'Anticosti, peut-être pensez prendre un forfait guidé, là, s'il n'y a pas personne dans votre groupe qui est habitué à chasser sur l'île Anticosti. Mais je vous dis que c'est le trip. Moi, ça fait 8 fois là, que j'ai réussi à vivre ce rêve-là. Là. Mais je peux vous dire que c'est tout qu'un trip. Puis les amateurs de chasse au chevreuil, là, c'est pas mal la place. C'est sûr que
C'est peut-être pas la place pour trouver les plus gros trophées au monde. Il y a l'Ouest canadien pour ça, mais je pense que si vous voulez profiter de la chasse, si vous êtes des chasseurs de chasse fine, autant chasser en pick-up, en chasse fine, en watch, tout est fourni. C'est vraiment, vraiment une belle place. Fait que si vous avez un trip à vous péter à un moment donné, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi ou appelez-moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Salut la gang!